Donc ouais les amis, j'ai lu et j'ai vu que vous vouliez voir la figurine de Mega Man. En fait, vous vouliez un unboxing de la figurine de Mega Man et en fait c'est pas celle que je fais en premier. Parce qu'il y a un truc qui est encore plus adéquat parce que le ciel, il est tout bleu. Donc voilà, unboxing à la place, j'ai un produit parfait pour ça. Compris, c'est l'endroit idéal pour essayer des lunettes de soleil connectées. C'est quand même fou. J'ai la montre connectée. j'ai pas de lunettes en fait. D'ailleurs, j'ai mon casque. Les lunettes connectées, ça va être la grande première. J'en profite pour faire ce genre de plan vu que j'ai la chance d'être en Martinique et même s'il n'y a pas le HDR, vous voyez le ciel bleu là-haut et là avec les palmiers. Yes, paradisiaque. Bon, alors voyons ça. Ce sont des lunettes de soleil, du coup, connectées. Et je me suis dit, quoi de mieux que la plage pour tester ça, quoi. Bon, allez, on va commencer par l'unboxing à proprement parler. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, en fait, sur ces lunettes. C'est les Bose Frame, alors c'est les Alto Style qui sont les styles les plus classiques. Le style c'est un vintage, il était plus rond, vous l'avez vu dans le vlog, mais bon, je me suis dit, je préfère, enfin ce style là je trouve qu'il me va mieux, voilà tout simplement. Donc pour l'unboxer c'est assez simple puisqu'il n'y a que cette tirette là, vous voyez, hop là. Toujours plus facile à ouvrir que le port cartouche de la Nintendo Switch, n'est-ce pas? Je crois qu'il n'y en a pas de l'autre côté assis. Il y en a un des deux côtés. Et il y a mon téléphone qui dit, j'ai trop chaud, je vais m'arrêter de filmer. Et je lui fais, ok. Donc, je vous préviens, il va y avoir du vent. Mais je suis passé en 1080p parce que l'appareil chauffe trop avec le soleil. Et du coup, quand on les ouvre, voilà. Ça contient quoi ça? Allez, c'est juste le manuel d'utilisation. Du coup, en fait, tout est vraiment là-dedans. Dans cet écrin, il y a vraiment tout. Il est magnétique. Alors, je comprends. C'est vrai. Ah ouais. Mais l'aimant est vraiment fort, en fait. Oh putain, c'est trop. C'est marrant, ce. C'est la première fois que j'ai un packaging comme ça. D'accord, il n'y a qu'un aimant au centre. C'est ça que l'aimant était aussi fort. Là-dedans, on a le câble, du coup. Bon, je vais pas vous montrer un câble à quoi ça ressemble. Je vais pas vous faire cet affront. Et là, on a... Ils sont pas très foncés, les verres. Ils ont l'air d'être... Je sais pas s'ils sont polarisés. Je vais vous dire ça juste après. Donc là, c'est le connecteur pour charger la branche. Tout se passe en Bluetooth après. La branche elle-même. Il y a des haut-parleurs au bout. Vous voyez, là, il y a une Wii. C'est vraiment dur à filmer. Mais il y a une Wii, en fait. Voilà, là, à l'arrière.
permet d'envoyer le son vers l'oreille. C'est assez épais sur le côté. C'est-à-dire que vraiment, tu vas avoir... Je pensais pas que ce serait aussi difficile de filmer ça. Voilà. Tu vas avoir des branches assez épaisses à ce niveau-là. Mais franchement, ça a l'air de faire le taf. Donc pour l'allumer, tu appuies en dessous. Tu as un bouton qui est là. Voilà, c'est pour l'allumer. Et après, tu le connectes à l'application Bose Connect sur ton téléphone. Donc je vais télécharger Bose Connect. Putain, les gars, vous voulez rire, mais en vrai de vrai, c'est super top. Parce que, en gros, moi, là, je les ai mises et j'ai l'impression que le son, il sortait du téléphone. Mais en fait, non, le son, il sort des lunettes et ça utilise les vibrations crâniennes plus des haut-parleurs pour diffuser le son. Et du coup, c'est hyper naturel. Je sais pas comment t'expliquer. T'as l'impression que le son, il sort de l'extérieur. T'entends tous les sons. J'entends les sons de la vague et de ça. Et t'entends la musique au-dessus. C'est pas comme un casque où tu sais que t'as le son uniquement du casque. Du coup, là, quand t'es à la plage, je sais pas, t'as l'impression d'être dans un clip audio, mais vraiment, t'as l'impression d'être dans un clip vidéo, de voir le paysage et en même temps d'entendre la musique au-dessus. C'est très dur à vous expliquer. Et là, j'entends Booba, tranquille, tu vois. C'est... Je trouve ça bluffant, en fait, c'est vrai. Je trouve ça top. Je connaissais pas du tout. J'avais pas prévu d'acheter ça. Je savais même pas que ça existait. Mais... Putain, c'est trop top. Comment je peux vous faire voir ça? Vous voyez, là... En fait, le son, il sort de... Juste devant, là. Et du coup, tu vois, de loin, ça s'entend pas. Ça s'entend que quand tu portes les lunettes. Et quand tu les portes, la musique, elle est top. Franchement, Bose. Et c'est classe. Et quand tu te les fous pas dans la gueule, mais... Et elles sont belles, en plus, tu vois, elles sont pas hyper grosses en termes de... Au niveau des branches, enfin... C'est sûr, c'est épais, mais... Franchement, je trouve que ça va. Franchement, je trouve que c'est vraiment discret. Et le son directif, c'est top, putain. Oh, je sais pas. En fait, là, la vidéo que je fais, si je rajoute une musique en surimpression dessus, c'est l'impression que ça donne. C'est presque magique, tu vois. C'est ouf. Moi, je kiffe bien. Ah ouais. Franchement, si vous avez la chance de tester une fois ces lunettes, faites-le parce que c'est un truc de malade. Franchement, après vous allez dire, c'est parce que je suis en Martinique, j'ai le soleil, j'ai la plage et tout, tu vois, ça donne envie d'avoir, tu vois, t'as juste des lunettes, t'as la musique sur le, même pas tes potes, t'as la musique qui sort sur le côté, et en fait les gens qui te regardent, t'entends rien. Et le pire, c'est que tu peux passer des appels avec, mais là tu passes pour un fou, tu vois, on dirait que tu parles tout seul, enfin là tu vas me dire, il tout le monde qui en regarde, il est fou, mais non, non mais... Et tu peux passer les appels avec. Et apparemment, la qualité du micro, elle est pas trop mal. Bon, les amis, sur ce, du coup, je vais vous laisser sur ces images. Regardez, je vais vous mettre quelques images de la plage à nouveau. Je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakugame.fr. Je vous ferai un petit retour si ça passe sur la Nintendo Switch. Mais je pense que... Mais oui, c'est... en fait, c'est des haut-parleurs Bluetooth. Donc ça marche même sur la Nintendo Switch. C'est cool, ça. Ciao, bye bye.
amis, c'est ouf. En fait, je sais exactement la sensation que ça donne. Tu vois, là, je suis rentré dans ma voiture et j'ai gardé les lunettes. Et en fait, tu vois, quand t'as ta musique dans ta voiture et que tu roules, le son, bah, ça fait le même type de son, en fait. Tout simplement, voilà. Sauf que, au lieu d'être dans ta voiture, ça fait ça partout. Et c'est juste magique. Vraiment, je les kiffe et je pense que ça va être mes lunettes préférées. Et du coup, à la FNAC, elles étaient à 130 euros. À 260 euros, c'est chaud. Pour 130 euros, c'est une bonne paire de lunettes de soleil. Et le verre n'est pas polarisé, visiblement. Mais il est quand même filtre anti-UV. Tu vois, tu es protégé et tout. Et protégez vos yeux avec le soleil. Enfin, surtout ceux qui sont dans les îles. Parce que moi, j'ai perdu. Vous avez vu, je perds des lunettes. C'est parce que j'ai perdu des dixièmes en faisant cramer ma rétine au soleil. Voilà. Donc, sachez que c'est pas que pour la frime. Ciao, bye bye. Encore merci à tous pour votre soutien. Shout out that mother, hey, I'm 12 years old with